D'abord, pour nous, c'est déjà une victoire que ça soit organisé. Vous savez que la conjoncture nationale est assez difficile. Donc, lorsque nous réussissons à faire organiser, c'est qu'une une structure puisse organiser son championnat, c'est déjà une victoire pour nous. Et je suis d'autant plus heureux que le niveau, comme vous l'avez vu, cette année a été très très élevé, avec 8 régions qui ont participé. C'est vraiment une grande victoire pour le Scrabble, pour la Ligue. Et je pense que cela nous réconforte dans l'objectif que nous nous sommes fixés cette année, d'aller carrément en fédération. Nous travaillons déjà sur un projet d'une compétition scolaire au niveau de l'école primaire. Nous sommes en train de peaufiner le projet parce que nous pensons que le Scrabble peut être un moyen pour les enfants qui sont en apprentissage du français d'améliorer leur vocabulaire. Nous sommes très satisfaits. C'est vrai qu'il y a eu quelques insuffisances. On aurait souhaité avoir les 13 régions représentées, mais finalement nous avons 8. Ce qui est pour un début, ce qui est quand même à encourager. Il faut dire qu'il y a eu 30 participants pour la formule classique et 29 participants pour la formule duplicate. Finalement, nous avons primé 15 personnes sur les 59. Et tout de suite, il faut dire que nous avons sorti vraiment des vrais champions. C'était 2 jours d'énergie, 2 jours d'intense activité. Nous avons pu sortir des véritables champions. De façon globale, nous sommes satisfaits. J'ai eu vraiment la chance d'être le champion. Je remercie Dieu pour ça. Je suis vraiment ému. Je ne sais pas comment est-ce que je vais vraiment mesurer le quantum de la joie qui m'anime à cette époque. C'est ma deuxième fois de gagner. L'année passée, j'étais champion. Cette année aussi, je suis champion. Vraiment, je suis heureuse, mais. Et je déplore quand même la participation des femmes. Et j'invite les femmes à sortir dorénavant parce que l'esclave, non seulement ça distrait, mais ça instruit aussi. Et les femmes peuvent apprendre l'esclave avec leurs enfants à la maison. Ça permettra aux enfants d'élever leur niveau en français. Et vraiment, l'esclave, je préfère ça à toute chose.